vous retrouve avec un unboxing d'un diamond painting que j'ai reçu de la compagnie Mary's Diamonds. Alors celui-là, je l'avais commandé en décembre. J'avais fini 3 toiles, donc je pouvais m'en acheter une. Donc oui, commandé le 29 décembre et je l'ai reçu le 16 février. Donc ça a pris pas mal de temps. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils l'ont expédié. J'ai pas la date. Le prix était de 76 $ canadiens. Il n'y avait pas de frais de livraison. Et alors, c'est un 60 par 60 qui s'appelle Winter Peace de l'artiste Candace McKay. Et ça, c'est l'image. Pour ceux qui étaient sur les lives, je pense que je l'avais montré, cette image. C'est celle-là. Et je crois qu'ils avaient 3 tailles. Je crois qu'ils avaient du 40 par 40, 50 par 50 et 60 par 60. J'ai pris la plus grande. On va voir comment ça se présente. Alors, ça déjà, hier, j'ai enlevé le plastique. Vous savez, c'est cette espèce de matériel qu'ils mettent autour des DP, qui est comme style sac poubelle, là, sac poubelle noire. Donc, c'était ça. Et ça, c'est la boîte. Elle n'est pas en très bon état, là. Elle est bien, bien aplatie. Je ne sais même pas si ça se voit à la caméra. Vous voyez, là. Heureusement que c'est de la colle coulée. Mais la boîte est jolie, hein. Ils ont changé ça. Il y a marqué Mary's Diamonds, là. Ça, je ne suis pas sûre à quoi ça correspond. Shine your magic with the world. Ils ont un Facebook et un Instagram. Et là, ils vous expliquent vite fait là comment faire du DP. Donc, ouais. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y a du plastique tout autour. Donc, je vais l'enlever. Je vais prendre mon cutter. Et ça, donc, c'est la version 2.0, je pense. J'ai beaucoup d'épées de cette compagnie quand ils faisaient du double face. Et ils ont changé ça, la colle coulée. Et eux aussi, ils collaborent avec des artistes. C'est un peu cher. C'est un peu cher, mais si c'est de la colle coulée, ça ne me dérange pas de payer un peu plus. Alors, comment ça se présente ? Alors, j'ouvre la boîte là. Donc, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc, on dirait qu'il y a les diamants en plein milieu et la toile qui est roulée tout autour. Ok, c'est joli. C'est joli la façon dont ils ont fait ça. Ils ont mis un petit ruban autour. Un petit ruban rose. Donc, je vais le défaire. Est-ce que j'ai besoin de le défaire? Peut-être pas. Et ça vient comme ça dans dans du plastique. Donc c'est bien protégé. Et là je filme tôt le matin. Là. Il n'est même pas 10 h et il fait super beau aujourd'hui. Donc je me suis dit oui. C'est l'instant pour filmer. C'est le moment plutôt pour filmer. Alors, je vais vous faire une revue détaillée. Si jamais ça vous intéresse d'aller l'acheter pour vous dire comment je trouve ça. Alors déjà l'endo, oulala mince, il y a des diamants qui ont pété à l'intérieur. On va regarder l'endo tout à l'heure, je vais vous en parler tout à l'heure de l'endo. Alors déjà le toolkit, il me semble que c'était le même que ce qu'il proposait avant. Donc c'est un gros plateau blanc, pardon. Il n'y a pas d'ouverture là pour transvider les diamants ou quoi là, mais il y a un gros morceau de cire, ça j'aime bien. Il y a des pinces, je pense qu'elles sont pointues s'ils ne les ont pas changées. Oui, des pinces bien pointues. J'arrive pas à parler ce matin, ça fait quelques jours que j'ai pas filmé de vidéo donc et là on a. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis comme embout? Je pense que ça, c'est un 4 et ça, c'est un... Je pense que c'est un 7, ça. Je vais allumer la lumière. Voilà, peut-être que ça va être mieux, ça. Ça, je pense que c'est un 7. Et c'est bien parce qu'ils sont fins. Là, il y a un morceau de cire dedans. Ils sont très fins. Donc, c'est un toolkit de base. Il n'y a pas de sachet refermable. Ensuite, les diamants, je vois qu'il y en a un qui s'est pété et je pense que c'est celui-là. Je vois qu'il s'est ouvert, celui-là.
Il va falloir que je fasse attention. Et là, je vois qu'il y en a qui tombent. Donc, je vais mettre ça de côté. Je crois qu'il y a des AB dans ce kit, mais on va regarder ça tout à l'heure. Alors, la toile. La toile, c'est pour ceux qui connaissent le Tenmi Arts. C'est un vendeur qu'on peut retrouver sur Amazon, sur AliExpress. Et apparemment, maintenant, ils ont leur propre site web. L'endo, c'est pareil que ce qu'ils proposent eux. Donc, c'est doux. C'est très doux. Ça n'a pas l'air d'être du plastique comme ce que vous allez recevoir de AliExpress, par exemple. C'est très doux. Et là, vous voyez que c'est cousu. Donc, du coup, il n'y a pas de morceaux qui devraient s'échapper. Là, il y a un petit truc. Là, on va voir si ça affecte l'autre côté. Peut-être qu'en le laissant à plat, ça ira mieux. Mais ouais, il y a des petits trucs là, hein, des petits trucs de. Donc je vais, étant donné que c'est de la colle coulée, je vais juste le rouler, ou la rouler, la toile, dans le sens inverse. Et là, je vois que ça brille là. Hein. Il y a de la. Comment on appelle ça? Ouais, ça brille quoi. Vous voyez là? Voilà. J'en attends deux autres de cette compagnie. Un que je m'étais acheté pour mon anniversaire et l'autre. L'autre parce que j'avais. Je me demande si j'avais pas fini trois toiles de plus. Donc. Alors, je vais le retourner et on va regarder ça ensemble. Je suis pas sûre. Non, non, je crie, mais là, je suis pas sûre. Laissez-moi regarder l'image originale. Parce que là, il y a des. Je comprends pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait là. Pourquoi en plein milieu du visage, il y a du violet foncé. Je vois que dans l'image originale, juste là. Il y a une couleur plus foncée juste au-dessus de son œil, mais je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait aussi foncé sur la toile. Et on voit que c'est très doux les couleurs aussi là-dedans. Hein. C'est très doux. Et j'ai l'impression qu'en regardant ça, les couleurs, c'est. Comment je dirais ça? Les dégradés, c'est drastique, quoi, là. Je ne suis pas sûre du tout. Je suis pas sûre du tout, il va falloir la faire et que je vous donne mon retour parce que, comme je dis, dans l'image de base, c'est comme ça. Mais alors, quand je vois les diamants là, alors attendez, je vais prendre ça par exemple. Je vois là qu'il y a un rose pétant et je suis sûre qu'en regardant cette image et le diamond painting, j'ai l'impression qu'il va aller là. Donc, j'ai pas l'impression que les dégradés vont être très beaux. Mais encore une fois, ce sont mes premières impressions. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose de beaucoup plus terne. Beaucoup plus dans les pastels, quoi. Mais là, non. Là, les couleurs sont vives et ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Même là. Son blush, là, j'ai l'impression qu'il ne va pas y avoir trop de dégradés. Alors, comment se présente la toile? Il y a marqué Mary's Diamonds en haut, juste là. Il y a une légende en haut à gauche et en bas à droite. Donc une là et une là. Et je vois d'après la légende que. Alors attendez. On va la regarder après la légende, peut-être. En bas, il y a aussi des informations pour Facebook et Instagram, juste là. Et ils disent ici que. Si jamais vous renversez vos diamants, vous pouvez toujours les contacter. Enfin, ouais. Vous pouvez toujours les contacter. C'est ça. Alors, au niveau de la légende, il y a combien? 28 couleurs. C'est pas beaucoup, 28 couleurs. C'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà la légende qu'il propose sur la toile. Si la caméra veut faire la mise au point.
Voilà. Donc, il y a des lettres, il y a des symboles. Tout est très lisible, hein. Je vois aucun souci avec ça. Tout est très, très, très lisible. Là, ils remettent l'image et là, ils vous disent qu'il y a 28 couleurs. Il y a, je suppose, le numéro de modèle avec la taille 1,60 par 60. Et voilà la qualité des symboles sur la toile. La qualité est bien. La qualité des symboles est très, très bien. Il y a des cercles autour des symboles, mais ils sont très pâles. Donc, je ne vois pas de problème avec ça. Là, ce sont des lignes, hein. Je vais vous dire aussi au niveau des lignes et tout là, comment ça se présente. Mais non, juste comme ça, là, les symboles, ça a l'air très bien. Là où il y avait des petits trucs aux endos, là, comme où est-ce qu'on avait vu? Alors attendez, là il y a quelque chose. Mais ça, c'est un pli. J'ai l'impression que si j'enlève ça. Ça devra aller, ça. Alors, ce que vous faites quand vous avez des plis comme ça sur la toile, mettez-les sous quelque chose de lourd. Moi, je les mets sous le matelas, en fait, sur mes lattes de lit. Entre les lattes de lit et le matelas, j'ai une planche qui est assez grande. Et je les mets là pour, je sais pas, 3-4 jours. Et vous allez voir, ça va bien les aplatir. Mais vous pouvez aussi toujours enlever la fiche, comme j'ai fait là. J'ai enlevé une partie de la fiche. Comme ça, et essayer de la remettre avec une règle comme ça, sans créer de bulles. Bien qu'avec ça, là, vous ne pouvez pas créer de rivière. Hein. Avec la colle coulée, les rivières, il n'y en a pas. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais la mettre sur mes lattes. Oh, oh. Et là, il y a des diamants qui se sont incrustés sur la toile. Et je pensais qu'il y avait des AB. Je pensais avoir demandé des AB, mais j'en vois pas des AB là. Peut-être on va regarder dans le sac. Au niveau de la colle, comme j'ai dit, c'est de la colle coulée. Ça colle très bien. Il n'y a aucun souci avec ça. La taille, je vais le mesurer maintenant. Comme je vous ai dit, j'ai commandé un 60 par 60. Voilà. Je vais mesurer ça, vous dire si c'est vraiment la taille qu'ils mettent sur le site. 59,2. Donc oui, ça va. Parce que normalement, ils nous demandent un écart de plus ou moins 2 cm, je pense, ou 1 cm. Et 59,7. Donc oui, ça va. Ça va. Ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être, oui, au niveau des blocs et du confetti pour ceux qui seraient intéressés de l'acheter. Alors, je vois que l'arrière-plan, c'est que des blocs, sauf dans les. Alors, attendez, c'est quoi? On dirait des papillons autour de sa tête. Oui, ce sont. Non, des oiseaux. Excusez-moi. Excusez-moi. Ce sont des oiseaux. Donc, des oiseaux qui sont là, c'est du confetti. Le reste, c'est du bloc autour. Là, c'est un petit peu du confetti juste là. Là, le sapin, ce sont des lignes. Tout ici en bas, c'est du bloc. Tout là, toute la partie blanche que vous voyez là. Tout ça, c'est bloc. Sa peau, ce sont des blocs. Et ses cheveux, ce sont des blocs. J'ai vraiment peur des dégradés dans ce DPA. Je pense qu'ils auraient dû utiliser au moins 35 à 40 couleurs. Mais là, j'ai vu que ils ont tout vendu sur leur site. Ils ont vendu tout leur stock et ils sont prêts pour une nouvelle version. Donc, j'ai hâte de voir la nouvelle version, comment ça va être. Si ça va être mieux. Et je sais qu'ils vont, je crois qu'ils vont avoir 100 nouveaux DP avec des nouvelles collaborations. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. Je vous mettrai le lien de ce DP du site sous la vidéo. Si jamais vous êtes intéressé d'aller l'acheter. Mais je pense qu'on a tout vu sur le DP. Ouais, je pense que je vous ai tout montré. Donc là, je vais le tourner. Je vois qu'il y a encore des diamants là.
faut que je fasse attention. Et les diamants, j'ai l'impression que c'est un mélange de tout, en fait. Alors, là, ils ont marqué à la main MR... Qu'est-ce qu'ils ont marqué? Attendez, MR0013. Je me demande si c'est pas... Laissez-moi voir. Ouais, c'est le numéro de modèle qu'on a sur la toile. Donc ça, c'est bien. Je vais les remettre certainement dans ce sac. Mais là, je vais faire attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir hors caméra. Faire attention parce que j'ai perdu... Il y a plein de diamants. Regardez ça, de partout, là. Je ne sais même pas si vous voyez, là. Ouais. Donc, je vais faire attention, mais je reviens tout de suite. Alors, je vous retrouve. J'ai organisé les diamants. Donc, les voilà. Les voilà devant vous. Je ne sais même plus combien de couleurs j'avais dit que j'avais. 28, je ne sais pas. Je ne les ai même pas comptées. Et j'ai même pas vérifié si les DMC que j'ai là s'agencent avec la légende. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. J'ai 32 couleurs alors qu'ils me disent 28. Ça se pourrait qu'il y a des... Ça se pourrait que j'ai fait des piles en double en fait. Mais je pense que j'ai toutes les couleurs là. Alors, j'ai remarqué qu'ils ont mélangé des sacs comme ça. Et des sacs refermables. Donc moi, ça me fait peur. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'en ai aucune idée. Donc on a deux types de sacs et on a deux AB. On a le 138 qui est magnifique. C'est un bleu assez pétant. Voilà, là. Donc AB, c'est pour Aurore Boréale, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une couche qu'ils mettent sur la surface du diamant pour les rendre plus lumineux. Donc on a le 138 qui est listé d'ailleurs sur la toile. Donc maintenant si je vous remets la toile là, vous allez voir qu'on a deux DMC en dessous de 150. Vous voyez, il y a le 138 et le 136, je ne les avais même pas remarqués tout à l'heure. Le 136, il est... où est-ce que je l'ai vu? Il est là, il est magnifique. Ça c'est un beau AB, ça. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, là. C'est trop beau, ça. On va regarder où est-ce qu'il se place sur la toile. Au niveau de la qualité des diamants, ben ça a l'air bien. Hein. Je veux dire... je vais peut-être essayer d'enlever la lumière. Je vois qu'on a le reflet. Juste comme ça. Ouais, ça va être beaucoup mieux. C'est un peu plus sombre, mais c'est mieux, on le voit mieux. Vous voyez, on a des endos bien plats. Je ne sais pas si c'est de la résine ou de l'acrylique. Mais ça a l'air bien. Je pourrais toujours prendre quelque chose qu'ils ont mis en Ziploc. Mais ça a l'air bien. Je vois aucun souci avec les diamants. Hein. Donc... je pourrais toujours prendre une troisième couleur. Je vais prendre ça. Ça, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Mais ouais, ça a l'air bien. Mais j'ai l'impression que j'ai fait des piles en double. Quelque part. Je sais pas où là, mais ouais. J'ai l'impression qu'il y a des piles en double. Ah ben là, déjà. Vous voyez ça, c'est en double. J'avoue que sur certains sachets, j'ai remarqué qu'on ne voit pas très bien les écritures, surtout sur celui-là. Vous voyez, ça c'est du 3, 7, 5... Je crois que c'est un 6. Donc ouais, il y a certains sachets où on voit mal l'écriture, malheureusement. Mais ouais, ça ce sont les couleurs qu'on retrouve dans ce DP. Et comme je vous ai dit là, les couleurs sur le DP sont assez ternes quand même, hein, ou sur l'image originale. Vous voyez là, dans ses joues et dans l'arrière-plan. Mais alors, ils ont utilisé des couleurs comme ça, quoi. Hein. Moi, je pense que ça va être trop drastique au niveau des dégradés. Je pense qu'ils auraient dû utiliser plus de couleurs. Mais encore, comme je le dis, c'est mes premières impressions. Il va falloir que je la fasse et que je vous donne mon retour sur cette toile. Alors, j'ai dit qu'on allait regarder où se trouvent les AB. Donc, on a
un bleu pâle et un bleu plus foncé. Donc le 138 sur la toile, je vais enlever ça, pour qu'on la voit un peu mieux, comme ça. Le 136, qui est le bleu le plus foncé, c'est le W. Et le W, on le retrouve là. Un peu ici, éparpillé ici aussi. Et je pense que c'est tout. J'en vois pas de ce côté. Oui, il y en a un petit peu là, là. À peine, à peine. Et ensuite, le bleu qui est là, donc le 138, qui est le bleu plus pâle. Sur la toile, il se trouve dans ses cheveux. Ouh là là, j'ai l'impression que ça va faire bizarre, ça. Ça va faire vraiment bizarre, ça. J'ai vraiment peur pour cette toile. Il y en a là aussi. Comme j'ai dit, il y en a là, un petit peu là. Et il y en a ici. Et ici. Je sais pas. Je sais pas. C'est rare que pour des toiles, je sois aussi sceptique là, mais... On va voir lorsque je la commence. Ça, je considère ça une taille moyenne. Ouais, je considère ça une taille moyenne. Donc, je veux dire, si c'est quelque chose que vous voulez que je fasse rapidement et que je vous donne mon retour, parce que si jamais vous êtes intéressé par cette boutique et vous voulez commander, laissez-le moi savoir dans la section des commentaires. Je veux dire, je peux toujours la commencer et la faire en parallèle avec d'autres toiles. Je crois que je l'avais mentionné dans d'autres vidéos aussi. S'il y a des toiles que vous voulez vraiment voir finies, comme par exemple des vendeurs, vous avez vu des unboxings sur ma chaîne, des vendeurs que vous ne connaissez pas et que vous voulez avoir mon avis assez rapidement, demandez-le moi dans la section des commentaires. Et si j'ai assez de demandes, je le ferai. Si j'ai deux ou trois personnes qui me le demandent, non, je le ferai pas là. Mais si je vois que j'ai le même commentaire qui revient assez souvent et qu'on me demande de faire une certaine toile pour voir la qualité, je le ferai. Je le ferai pour vous. Donc laissez-le moi savoir dans la section des commentaires. Et je pourrai toujours commencer des toiles pour vous montrer la qualité. Mais je pense qu'on a tout vu. Je ne vous ai pas montré, mais là dans le sachet, excusez-moi là, j'ai perdu tout ça là. Mais au moins, c'est récupérable. Et je pense que c'est venu d'un sachet refermable qui n'était pas... C'était pas bien refermé. Fermé, donc vous voyez, c'est là, là. Et je pense que ça vient de ça, du 648. Je pense qu'il avait mal fermé. Ah, on a deux sacs de 648. Ok. Ça doit être sa peau, ça. Je suis pas mal sûre que c'est sa peau. Ce que vous voyez là, là. Juste là. Donc, je vais les récupérer, les remettre en sac. Parce que je vais être sûre d'en avoir assez. Il n'y avait pas de fiche de route avec ce DP. Mais je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette toile. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Mais comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien de cette toile, le lien de la boutique, si jamais vous êtes intéressé d'aller l'acheter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bye bye!